Voici le nouvel homme fort de Tradex, Emmanuel Patrick Vondo, a été nommé directeur général par intérim de cette entreprise à l'issue d'un conseil d'administration tenu le 10 octobre 2024. Il remplace Simon Palais, qui dirigeait Tradex depuis 2019. Emmanuel Patrick Vondo est un directeur général qui connaît bien la maison. Il a notamment assuré la fonction de directeur des affaires juridiques et conformité du géant de la distribution des produits pétroliers au Cameroun. Son travail a été reconnu à sa juste valeur en juillet 2024, lorsqu'il a été nommé au poste de directeur général adjoint de l'entreprise. Il hérite d'une société qui jouit d'une bonne santé financière. Le chiffre d'affaires de Tradex est passé de 291,3 milliards de francs CFA en 2019 à 387,3 milliards en 2023. Autre héritage que le nouveau DG par intérim devra porter, l'étendue du parc des stations-service qui a connu un boom avec la construction de 17 stations-service entre 2022 et 2023, portant la taille de son réseau à 81 points de vente. Juriste chevronné formé au Cameroun, Emmanuel Patrick Vondo obtient une certification sur l'ingénierie des contrats de commerce international organisée par la Chambre du commerce international de Paris. Avant d'entamer sa carrière à Tradex, il a successivement été directeur exécutif de la Société de maintenance moderne, cadre juridique au cabinet Penka Michel et Partners, puis salarié d'AES Sonel qu'il quitte en 2008 pour déposer ses valises à Tradex.